Et salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de Octopath Traveler 2. Eh ouais, c'est le deuxième opus. Et on est toujours avec Cyrus du coup, mais Cyrus 2.0, puisque lui c'était Oswald, il me semble. Ouais, c'est ça, Oswald. Donc, l'érudit, voilà, j'avais plus le nom du truc, donc j'ai préféré dire Cyrus en mode c'est mon repère, c'est un érudit. Je sais pas s'ils appellent ça comme ça, oui, c'est toujours un érudit, classe principale, tout ça. C'est vrai que j'ai pas fait attention en vrai à ces compétences, on peut pas les voir en fait. Bah ouais, je peux pas encore m'en servir, c'est pour ça. Bon, du coup, on va s'occuper de lui pour l'instant, on va le scruter. Aucune info sur mais Bale est le fournisseur. Ah, d'accord, donc lui il peut me choper des trucs. Donc peut-être un pull ou des vêtements chauds, je sais plus. Ouais, on va voir. Alors c'est toi, l'érudit à la muselière, et eh oui, c'est toujours moi. Je vais me remettre en, voilà, en auto, comme ça vous allez pouvoir lire tranquille. Enfin, c'est eux qui décident du temps que vous avez. Voilà, muselière, si tu veux. Ok, il faut que je scrute les prisonniers encore. On va commencer par toi. Trafic d'êtres humains, c'est pas mal ça comme, comme délire. Ok, donc toi visiblement t'as rien à me donner. Je sais pas ce que ça signifie scruter pour eux, genre qu'est-ce qu'il fait exactement, comment il récupère les infos. Genre vraiment, il est là autour du mec à dire « Oh, lui, il a sûrement fait ça et ça, oh là là, et puis c'est ça aussi. » Genre comme ça, en les regardant, 98 ans de sentence, bah mon pote, t'as fait quoi? On connaît pas son crime, lui? Bon bah le dernier, c'est toi. Ah, information recueillie, le point faible de Bale. Il a vu Bale ramasser le portefeuille que le gardien-chef David s'avait tombé l'autre jour. Oh! Ok. Bon, lui, il a le portefeuille du... Oh! Du chef. Ah bah, oui, on va te faire parler maintenant. Yo! Harauki ni natta ga? なんだその髪切れは。これはてめえどこでこのことを欲しいもんはくれてやる。だから多言すんじゃねえぞ。計画は順調。 Parfait. Ouais, ça devrait être pas mal. Oh là, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah oui, c'est la fin de la journée, ok. Ça c'est bizarre, je vois pas qui ça peut être. Est-ce que ce serait Harvey là, le fameux méchant? Ah oui.
Donc c'est moi qui lui aurais appris à faire du feu. Et il s'en serait servi pour tuer ma famille. Nanto. Enzan de Mariok au Sioux Sacertoa. Osvaldo. Kimiwa Tensaida. Kyukyokumaho. Maho Gaksha Tachino Itadakini. Kisama Ipochkazuita. Ouais, tiens, tiens. Danga. Oikoste Arzo. Kanarazna. Ok, donc on passe à notre dernière journée normalement. Et puis ouais, après je pense qu'on va avoir les informations. Le gars va nous dire oui, c'est demain. Je vais sauvegarder. Et puis on va passer de l'autre côté cette fois. ここにいる囚人から地下道について知る人物を探るか。 Je dois peut-être les scruter. Rébellion, s'en fiche. Trahison, ok ouais, donc toi je vais pas te faire confiance non plus. Ah mais oui d'accord, il y avait les gens en vert en fait. Ouais, ok. Il y aurait quelqu'un là? Non, ce serait à l'étage. J'aime beaucoup les décors et tout, les effets de lumière, c'est trop beau. Bon, j'imagine que ce sera pas lui, ce sera le dernier, parce que c'est le plus loin. Ah, peut-être pas. J'ai déjà travaillé dans les sous-sols du bagne. Malheureusement, ce labeur ayant endommagé ses jambes, il reste désormais dans sa cellule et effectue des tâches moins physiques. Donc lui, il connaît... Il connaît bien. Ah oui, d'accord. Oh, ça c'est intéressant. C'est ici, il me semble, la bibliothèque. Oui. Ok, grâce à ce que je sais. C'est ici, rapport de travaux.囚人が言っていた作業報告書というのはこれか。腕まめな奴がいたものだ。被災に地下道のことが記されて、囚人が書いた報告書謎、誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだな。 On y est presque là. Ok, on y va. J'ai hâte. Je vais me barrer d'ici. Tirons-nous. Enfin, faut aussi que je me débrouille pour
Pour, oui, enfin, on avait demandé au gars, c'est vrai, mais pour enlever mon... la muselière, du coup. Si je veux pouvoir faire des incantations. Je pense que le gars va trouver un moyen. あらゆる可能性を検証したが、一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。いいよ、十分だ。貴様はよくやった。もう、c'est sûr、c'est sa voix。 最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。ハーベイ。相棒。 Ah ça y est, il a des infos pour moi. Oh. Ah et puis c'est le chef en plus, ouais. Faut pas qu'on se fasse gauler là. Ah merde. Il prend cher à cause de moi. Oui, ça se tient. Ah oui, donc là on me laisse carrément ma liberté, y a personne qui me force à aller dans leur village là. Donc, tu parles d'une prison, je fais un peu ce que je veux en fait. Mais tant mieux. Par contre, j'aime beaucoup la musique, moi. Ouais, c'est bien là-dedans. Ah oui. Kitana, Aibo. Hone ga ureta ga. Nusunda ze. Sasatsudan no kiroku bo na. 査察団の船の機構は。あ、じゃあ、j'en étais sûr。あとはあんたの計画通りに進めようぜ。Mais va falloir choper un moyen de faire des sorts avant le boss, je pense. Parce que je me suis dit, on va peut-être affronter d'abord le chef David, là, David. Mais en même temps, je me dis, faire un boss sans magie, alors que je joue un magicien, bon... Excusez-moi, je suis pas d'accord. まだ荒れるぜ。神様の機嫌が悪いらしい。さて、査察船が着く頃合いか。船を迎える準備のため、監獄内の警備が手薄になり、その限られた時間に。 Je trouve que pour un premier chapitre, en tout cas,
enfin du moins pour commencer le jeu entier. Commencer par une évasion, c'est pas mal, hein. Le chapitre d'Oswald a l'air vraiment sympa. Ok. Comment ça, il a rejoint mon groupe, genre... Ah ouais, d'accord, putain, c'est carrément un personnage jouable. Mais alors, attends, ça c'est ouf. Ça c'est incroyable, parce que... Ah ouais. Je peux pas changer son stuff, par contre. Ah ouais, d'accord. Mais en gros, ça se trouve, quand ils disent qu'il y a des gens qui peuvent me suivre, c'est vraiment pour se battre. Ah, ça peut être super intéressant si c'est à moi de les contrôler ou s'ils font partie de l'équipe, en tout cas pour se bastonner. Sauvegarder... Ouais, t'inquiète pas, je vais sauvegarder très régulièrement, moi. Ah, je trouve ça super cool qu'ils puissent me rejoindre, du coup. Ça fait 16 minutes, c'est bien. On va pouvoir enchaîner tranquille. Ah oui, dis-moi que c'est ça. Yes, c'est bon. Donc là, je pense qu'on va pouvoir... Ça va être un donjon. Et du coup, va falloir se battre et apprendre à utiliser ma magie avant d'arriver au boss. Ok, je vois un peu le délire de ce qui va se passer. Ouais, t'arrives peut-être pas à parler après tout ce temps sans parler. 5 ans sans utiliser ta voix. おい、なんか言ってみろよ、学者先生。寒い。やれやれ。無口な野郎だ。口塞ぐ必要はあったのか?時間が惜しい。先へ進むぞ。 Par contre, sa voix, elle est vraiment stylée. Du coup, j'espère que Emerald, là, ou Emerald, enfin ouais, techniquement c'est Emerald. J'espère qu'il va pas claquer, lui. Je l'aime bien en vrai, il est cool, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir se tirer. Ah, quand tu veux, hein. Ah d'accord, faut... Ouais, peut-être par là, ouais. Danger de niveau 2, donc ça y est, il y a des ennemis. Ici, c'est parti, il y aura de la baston. Ok, donc si c'est un donjon, j'aurai forcément des coffres, je viens d'en voir un. Très incuratif, ah ouais, la base, je me souviens. Ah, ça m'a surpris, je me suis dit, il se passe quoi, là? Cet effet s'accumule au fil des rencontres. Si Oswald étudie un même ennemi une seconde fois, il découvrira deux points faibles en une seule fois. Oh! Ah, c'est bon ça! Ok. Parce que tu, il me semble que c'était pas une compétence. Ah non, on peut découvrir un des points faibles. Ouais, donc si. C'était peut-être un talent, mais qui se fait pas à chaque fois. Il me semble qu'après, tu peux l'avoir aussi quand même en passif. Donc, Emerald. Servir à quelque chose. Ok. Bah écoute. Eux, ils sont sensibles à la... au bâton. Je vais partir sur ça. Je lui réduis sa défense à lui là. Bah c'est pas gentil. Lui, on va arrêter son tour déjà. Avec une faille. On va faire une exaltation un peu plus vénère. Ah, ils sont encore blancs leurs prénoms, ça veut dire que je leur ai pas fait grand chose, du moins il leur reste beaucoup de vie. Et ben on va coupe brouillard sur... Ah, d'accord, c'est sur tout le monde.
Cool. C'est trop bien. Et en plus, ils sont faibles à la dague. Bon, les aptitudes, je vais les voir après. Putain, ça coûte cher. Ah, mais c'est à tous les ennemis déjà. Ok. Parce que dans le 1, tu commençais avec des trucs qui visaient une seule bestiole. Ouais, donc je vais pas gâcher autant de péter pour... Voilà, juste pour le tuer facilement. Ah ouais, donc il peut vraiment monter de niveau et tout. Mais c'est incroyable. Alors qu'il a pas vraiment de classe, lui, en fait. Donc ça se trouve, ça peut être des personnages alternatifs. J'adore la map. Waouh. C'est super beau quand je suis dans un donjon. Enfin, je pense que c'est parce que je suis dans un donjon que ça fait ça. Attends, parce que ouais, journal, ils vont me dire Oswald, tout ça, mais j'ai... Ah, voilà, déjà lui. Ouais, classe principale, il en a pas. Donc on peut avoir des persos bonus, on va dire. C'est trop cool. J'adore la nouveauté. Bon alors, je vais où maintenant? Tiens, il y a un coffre par là-bas. Ouais, de la prune stimulante. Je vais descendre. On va pas trop courir parce que ça peut attirer les ennemis. Alors, c'est bien pour farmer. Mais en même temps, je vais éviter de trop gâcher de PV et de PT. Ok, une nouvelle bestiole. Je peux accélérer la vitesse du jeu? Bon, non, on va laisser les combats normaux. Techniquement, c'est à lui de jouer après. Donc, si je fais ça, je tape deux fois et il joue pas. Voilà. Et je gratte du tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est. Ça. Ok, très bien. Ça lui a fait un peu mal. Et alors, c'est la même avec de l'exaltation. Ouais, toujours la même attaque. C'est bon, je vais le plier au prochain tour, je pense. Allez. Ah oui, quand même! Vous faites mal, monsieur! Bah écoute. Voilà. Et donc en fait, il est là plus fort que moi, Emerald, en fait. Il est colère. Oh, il y a un très beau coffre là-haut, je le vois. Oui, je le veux. Bah, il y en a un là aussi qui est pas mal. Oh, ouais, de l'équipement. Ça me fait quoi? Cool! Plus de PV max et de PT, c'est pas mal. De toute façon, toi, je peux rien mettre, hein. Ouais, on est d'accord. Tant mieux, j'avais pas envie de te filer mon stuff. Je suis pas rat, mais quand même. C'est à moi. C'est mon mien. Alors attends, parce que là, moi, j'ai vu qu'il y avait... le coffre. Ah, donc là, j'en ai chopé deux. Bien. Et bah, ce qu'on va faire... Bon, déjà, on va faire un peu de dégâts, histoire de dire. Voilà. Ils sont tous sous faille, c'est bon. Donc les dégâts vont être amplifiés. Ah ouais! Pas mal, il est puissant! Bon, par contre, voilà, je vais pas réutiliser de la magie. Parce que ça part vite. C'est pas mal, là, je gagne pas mal de PC et tout. Pour l'instant, je peux pas m'en servir, mais quand je pourrai, ça va me faire du bien. Donc là, attends, si j'ai bien regardé le coffre rouge, il serait par là. Ah ah. Vous êtes malin. Oh, cool. Un nouveau sceptre. Ah, effectivement, là, mon attaque élémentaire, déjà, elle va monter. Ce que j'aime bien, ouais, dans ce jeu, c'est qu'il y a pas mal de coffres cachés un peu partout et ça incite énormément à l'exploration. Et c'est plutôt cool.
Ah oui, l'olive vitale, je crois que c'est une rêve. Ok, nouvelle bestiole. Bon, le machin, il est en glace. Ouais, je m'attends à ce qu'il crée une de feu. Bon, déjà, je vais tenter un coup de brouillard. Ok, c'est pas bien. Ça se passe pas comme prévu. On va faire une boule de feu. Ah ouais, c'était un peu sûr pour l'autre truc gelé là-bas. Ouais, par contre, ça tabasse hein, vos dégâts là. Bon, tu sais quoi, allez. Vu que je risque de monter un niveau, ils vont me rendre mes pétés. Oh, bah j'aurais pu faire des attaques normales. C'est plutôt cool, on monte bien les niveaux pour le moment en tout cas. Ce sera plus long après, je sais, mais... Ça farm petit à petit, ouais, tu vois, ils m'ont rendu tous mes points. Oh, puis une sauvegarde. Et un marchand. Je m'attends à un boss du coup pas loin là. En même temps, c'est vrai que c'est un prologue, donc ce serait un petit donjon. Acheter, qu'est-ce que je peux prendre? Un chaperon tissé. Ça pourrait être pas mal, on va dire. Du moins, je gratte en défense, donc pourquoi pas. On va le mettre. Ok, cool. J'en ai 4 en stock. Je pense que je vais en prendre 2-3 en plus, ouais. C'est important d'avoir des PT. Les points techniques. Après, je vais faire attention à pas avoir, comment dire, bah pas avoir d'alliés morts en fait, donc ça m'évitera de les de les secourir. Oui, on est arrivé là. C'est sûr, David, il va arriver. Enfin, après, il y a des caisses là-bas, tu les empiles et... Et on se débrouille. Oui, donc quelqu'un était au courant de l'évasion, quoi. On s'est fait avoir. Ben, tiens. Si c'est le chef David, on va l'éclater. Toi, t'es mort. Ah, si c'est lui. Ah putain, d'accord, ouais. Et donc lui, il y est pour rien, mais en même temps... En même temps, on s'est douillé nous-mêmes, quoi. C'est pas grave, on va se tirer à deux. La musique est super cool.貴様らのような愚か者を数え切れんほどもいた。だがその全てが惨めに死んだ。例外はない。さあ、お仕置きしてやるぞ。クズども。 Ah, et voilà. Et ça, c'est le truc que j'adorais dans Octopath. C'est la taille démesurée des boss. Ok, donc lui, déjà, il est faible au bâton, donc je vais... T'affaiblir. Ah, par contre, ils vont me faire mal, eux. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça aussi qu'il a... Voilà. Il a les premiers secours.
Bah, je pense qu'on va réduire sa défense à lui. Alors attends, c'est pendant 2 tours, mais si je mets de l'exaltation, c'est pendant 4 tours. Pendant 4 tours, il sera faible. Non, je pense qu'on va... Au pire, on va faire un coup de brouillard, parce que si j'ai des chances d'en affaiblir un... Ah tiens, tu vois, ils aiment pas la dague. Ok, donc là, on va prendre cher, mais au prochain tour, on va pouvoir... s'amuser un peu. Ça m'arrange pas parce que eux, en fait, je sais pas s'ils craignent le feu. Parce que... Le truc, c'est que j'aimerais bien réduire la défense du boss. Mais si je fais ça... Les deux autres, ils vont pouvoir m'attaquer. Sauf si je fais du feu. Et dans ce cas, il n'y en a qu'un seul qui pourra jouer. Je réfléchis un peu. À la limite, on tape un petit coup de brouillard vite fait. Ouais, on va faire ça. Ok, super. Et là, on va taper une boule de feu. Ah, peut-être... Non, ils craignent pas le froid. Ils ont des gros manteaux, c'est sûr, c'est du feu. Ok, donc les deux gardes, non. Par contre, le boss, oui, ça m'intéresse. Ah merde, puis c'est pas Emerald qui joue. Parce que là, j'aurais bien aimé affaiblir directement le boss. Et je me serais énervé contre lui à coup de boule de feu. Bon, on va faire ça quand même déjà. Je vais faire mal à tout le monde. Waouh. C'était beau. Et du coup, toi, on va premier secours. Mon petit pote. Là, ils vont me rétamer tous les trois. J'ai 4 points d'exaltation avec mon gars là. Avec mon gars sûr. Présent curatif. Ouais. Je vais me soigner tout seul. Voilà. Ah merde, il a tapé 2 fois. Ah, je comptais sur toi là, Emerald, un peu. C'est quoi ça? Ça me ralentit. Oh, base du combat, icône d'état. Donc il y a le poison, dégâts subis après chaque action, silence, impossible d'utiliser des aptitudes. Ça, j'aime pas du tout le silence. Cécité, précision des attaques physiques réduite. Terreur, impossible d'activer l'exaltation, ça c'est relou aussi. Paralysie, on peut pas jouer tout court. Sommeil, impossible d'agir, effet dissipé en cas d'attaque subie. Et confusion, c'est pas moi qui choisis les attaques et tout, c'est les actions qui se font toutes seules. Et après, baisse d'attaque, précision, vitesse, ok. En tout cas, j'ai une baisse de vitesse. Bon. Qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, j'aurai encore un peu de pété pour tout le monde. Ça va lui baisser un peu, lui. Deux tours. Ok, j'ai mon idée. Donc toi, on va te réduire ta défense. Ah, c'était débile, j'aurais dû le faire à ce tour-là en fait. Ok. Ouais, puis là je vais le finir à coup de. Waouh, il est en colère lui! Ok. Faudrait que je coupe un peu tout le monde là, les gardes, faudrait que je m'en débarrasse aussi, parce que mine de rien, ils me font des dégâts. Et bah voilà, il y en a un qui dégage, c'est bon. L'autre, je vais le faire sauter assez vite aussi, je pense.
誓うぞ。グズってくれるじゃねえか。あ、今carrément paralysé。Ok, là on est mal. Parce qu'il est en train de charger une grosse attaque, probablement. Donc je me mettrai bien sur la défensive. Pour limiter les dégâts subis, et j'aurai l'initiative au prochain tour en plus. Ouais, ouais, mais ça m'arrange pas trop là. Ah, je sais pas quoi faire. Parce que je m'attends à un one shot en fait. Il pourrait me faire très mal. On va faire ça, de toute façon lui va pas pouvoir jouer. Voilà. Aïe, Oswald il va prendre pareil. Oh. Au secours. Genre vraiment au secours là. Ah putain, puis au prochain tour c'est aux gardes de jouer donc. S'il m'attaque. Ah putain, je suis pas en bonne posture là. À la limite, attends. Si je fais une défense, j'ai l'initiative au tour d'après. Déjà, je vais faire ça. Comme ça, ça me fait un point d'exaltation en plus. Mais là, si je fais ça, lui, je le bloque pas, il va pouvoir m'attaquer après. Je peux pas faire ça, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je me soigne aussi. Donc là, je pense qu'on va pouvoir les enchaîner assez rapidement. Maintenant. Coup de brouillard, ah oui, c'est 6 pétés. Voilà, bon, il y a des chances que je calme les deux. Donc on va tenter. Voilà, ça c'est bon. Là je fais ça deux fois. Et puis je pense que vous allez vous détendre un peu. Avec une belle boule de feu là. Il est encore vivant l'autre Gugus en bas là. Ouais mais toi tu vas tomber très vite je pense. Ok c'est bon, bah là je suis déjà débarrassé de... Oh non tu te fous de ma gueule. Non mais c'est une blague. Mais ça a l'air d'être d'autres gardes. Ils m'ont pas mis les mêmes... Ah, donc faut tuer le boss avant eux. Oh. Oh, c'est nouveau ça. D'accord. Donc, chaque voyageur possède une action réalisable uniquement quand la jauge de sa réserve d'énergie est pleine. Une fois pleine, il faut l'utiliser. Elle se remplira petit à petit en prenant des dégâts ou en mettant les ennemis en état de choc. Donc là, moi, la mienne est remplie ou pas? Ok, bientôt. Donc c'est fait exprès, je pense. Ça, c'est pas mal. Donc eux, là, attends, ils ont... C'est des nouveaux, ça se trouve, ils craignent le feu, ceux-là. Pas du tout. C'est triste. Bah écoute, on va y aller avec avec la dague. Hein. Frappez-moi, voilà. Elle est remplie là, c'est bon. Mais ils m'ont pas dit comment je faisais. Ah, je peux cacher avec... Ouais, bon, je m'en fiche, j'ai ça. Bon bah, tant qu'à faire, hein. Ok, là elle est remplie, d'accord, je vois. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait que je le soigne. J'ai plus assez de PT avec lui.
Et le problème, c'est que les mecs passent au tour d'après, alors on va prendre moins de risques. Et on va faire ça, tant pis. Non, bah je vais le soigner avec un raisin, mais il va falloir que je rachète après. J'aurais aimé mieux gérer mes BT pour le soigner. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez utiliser votre réserve d'énergie. Ah donc c'était bien triangle, ok. C'était la touche que je faisais tout à l'heure pour voir. Ces sortilèges touchant tous les ennemis convergeront vers une seule cible. Ok, donc ça c'est la convergence d'Oswald. Ah ouais, donc ça c'était... j'avais une aptitude comme ça dans 1 aussi qui était pas mal du tout. Donc là, je fais ça. Et toi tu vas prendre tarif pour tout le monde en fait quoi. Bah là mon gars. Ouais. Et parce qu'il faut que je me débarrasse de lui à tout prix. Il est dans le rouge, c'est pas trop mal, mais là je suis dans la galère. Je vais tenter le coup. Mais là, il est quoi? Il est paralysé, donc il faut... Ouais, il faut que j'attende, quoi. Non! Ne tuez surtout pas Emerald. Ok. Ok, c'est bon, on est bien là. Donc, ce qu'on va faire... Bah, c'est ça, hein. J'adore son cri. En vrai, on va bien se soigner, là. Ah mais attends, j'ai pas réfléchi, mais l'autre, il va faire sa grosse attaque, j'aurais dû le sonner avant. Oh putain. Ah, je suis super mal, là. Faut que je prie. Vraiment, faut que je prie. Sinon, je tente une olive vitale. Non, faut pas que je joue au débile, maintenant. Ah mais le truc c'est que si je fais ça, ils vont m'attaquer à 4 fois de suite. Non, faut que je prie pour me débarrasser de lui maintenant là. Eh ben ça n'a pas marché, mais au moins... Aïe. Faut pas qu'il me tue. Yes! Ouais, clairement. Arrêtez donc vos conneries. Ah par contre ça le full life. Oh c'est bon ça. Lui, il se réveille, ça me plaît pas. Faut vraiment qu'on en finisse là. Qu'est-ce que tu soignais ? Oh yes, je l'ai battu ! Bon bah, il reste juste eux. Ah merde ! Bah, Emerald ! Ah, vous m'avez saoulé, ça y est. Bon, au moins ça va lui rendre toute sa vie. Est-ce que je me fais vraiment chier avec du feu ou pas? Ouais, allez. C'est bon, je farmerai de l'argent pour m'acheter des prunes et tout ça, c'est bon. Toi, t'es bien entamé, donc toi, on va réduire ta défense. À la limite, vu qu'il craigne pas le feu, je vais tenter la glace, hein, au cas où. Et bah voilà.
J'ai terminé mon premier combat de boss. C'était pas mal du tout, je suis super content. Panier de prunes stimulantes, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Je crois qu'il a duré presque 20 minutes le combat. Ah oui, quand même. Il n'y en a pas que 2-3, quoi. Il va faire une grosse boule de feu pour le faire exploser. Il est vénère lui comme érudit. Tu pouvais pas faire ça dès le début, n'empêche, le te battre contre David, là. Ça m'aurait coûté moins cher en raisin curatif. Ok, donc on a terminé le premier chapitre. Et en général, quand on finit le premier chapitre, oui, on peut aller chercher les autres, etc. Et donc là, comme ils m'ont dit, je dois finir le deuxième avec lui. Donc pour l'instant, on jouera vraiment qu'avec Oswald. Bon, ça va, en deux vidéos, finir un premier chapitre, c'est bien. Ah oui, donc ça c'est le passé. Le jour où il a retrouvé sa femme morte, sûrement. Ah oui, c'est juste ici. Ça, en général, tu le vois de loin, par contre. Genre, depuis le cimetière, je l'aurais vu. Vita ! Elena ! Ah oui, donc tu sais déjà que c'est lui, ok. Il s'en est pas caché, quoi. オズバルドだ。ハーベイ、貴様。オズバルドよ。これが私の会だ。
先生。なあ、オズワルド先生。んだよ、ぼっとして。生きてるかよ。うん。ああ、問題ない。ったく、頼むぜ。あんたが頼りなんだ。この先だ、行くぞ。OK, c'est cool, il y a une sauvegarde pas loin, qui n'est pas là visiblement, pas encore. Il faut que je monte. Non, putain, j'allais ouvrir le coffre et vous dire au revoir maintenant. Bon bah, je vais te détendre un peu. Ah zut. Ok, donc il craint rien, lui. Tout va bien. Au fait, j'ai le droit de... Ah, voilà! Mais vous savez quoi? Ça va être la surprise pour la prochaine vidéo. On ira voir nos aptitudes après. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Octopath Traveler. Salut !